Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler un peu de spiritualité et plus précisément de la purification de l'âme. Mes chers frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan est un mois spirituel où on se remet en question, où l'on se recentre sur notre lien avec Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas? C'est le mois idéal pour effectuer la purification de l'âme. Il est donc primordial de faire ce travail d'auto-évaluation afin de déceler les maladies que comporte notre cœur. Le musulman doit également connaître donc les facteurs qui empêchent de cheminer vers Allah Azza wa Jal et savoir aussi quelles sont les clés pour y faire face. Mais qu'est-ce que donc la spiritualité et pourquoi en avons-nous besoin? Mes chers frères et sœurs en islam, la spiritualité est la purification de l'âme des péchés et du mal qu'elle contient afin de l'amener au degré de l'excellence, c'est-à-dire au degré d'al-ihsan. L'être humain préserve son âme de tous les éléments qui peuvent être des obstacles dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme crée un lien direct avec son créateur afin de se rapprocher de lui. Ce cheminement est personnel et il est propre à chacun d'entre nous. La purification de l'âme est indispensable à tout être humain car il a été créé faible et de ce fait, il retombe facilement dans le péché. Il est également sujet à l'oubli, ce qui peut aisément l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arrivant à faire de ses actes d'adoration de simples actes effectués de manière automatique, sans concentration. Et enfin, l'assiduité qui n'est pas innée chez l'être humain et qui s'acquiert après un long et dur travail de manière constante. Cependant, mes chers frères et sœurs, des obstacles entravent notre cheminement spirituel dont il faut se débarrasser régulièrement. Premièrement, il y a nos passions qui nous submergent et prennent le dessus. Nous devons nous en détacher en maîtrisant notre âme, car c'est elle qui s'attache à ce bas monde et nous rend esclaves de nos passions. D'où la nécessité de purifier très régulièrement son âme des souillures qu'elle contient. Cela ne peut se faire qu'en vidant de son cœur les éléments négatifs et en remplissant son cœur du rappel d'Allah Azza wa Jal. Car notre cœur est un réceptacle qui est très changeant. Le Qur'an le qualifie d'intelligence. Il nous a été donné par Allah Azza wa Jal afin de pouvoir réfléchir. Chaque être humain ne réagit pas de la même façon face au message divin, en fonction bien sûr de l'état de son cœur. C'est une étape donc importante et essentielle dans la purification de l'âme. Le deuxième élément qui entrave notre cheminement vers Allah Azza wa Jal est bien sûr Shaytan, un ennemi silencieux mais bien présent. Au plus le musulman avance vers Allah Azza wa Jal, et au plus Shaytan ruse afin de le détourner du souvenir d'Allah Azza wa Jal. Il arrive à ses fins car il possède un avantage sur l'être humain, il a assisté à sa création. Il connaît donc ses faiblesses et peut facilement le faire tomber dans l'erreur. Il a usé de sa méthode pour faire commettre à Adam a.s. le péché en l'induisant en erreur. Il ne lui a pas dit de façon directe, mais il lui a insufflé à l'intérieur de lui-même. Le troisième élément est le fait que notre cœur peut également être corrompu par d'autres facteurs comme l'excès de sommeil ou de nourriture qui amène à la paresse. Le fait de fréquenter trop de personnes éloigne également d'Allah Azza wa Jal. Nous devons donc être endurants face à nos passions. Nous devons préserver notre cœur de tout ce qui peut entraver notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, nous devons nous éloigner de tout ce qui nous détourne du souvenir d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire des dhikr et de la dépendance envers lui. Se détacher de ce bas monde en préparant notre au-delà. Mes chers frères et sœurs en islam, maintenant, comment se détacher de ce bas monde? Tout d'abord avec le dhikr, qui est un moyen facile de s'éloigner de ce bas monde car il peut s'effectuer à tout moment et par divers moyens, tels que la lecture du Qur'an, la méditation des noms d'Allah Azza wa Jal, en disant tout simplement Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. C'est un des actes d'adoration le plus simple à réaliser et qui pèse lourd dans la balance. De plus, la concentration dans les actes d'adoration nous fait progresser dans le détachement de ce bas monde. Il faut avoir à l'esprit que lorsque nous sommes en prière, nous sommes face à Allah Azza wa Jal. Il faut donc préparer sa prière en amont afin que l'esprit et le cœur ne soient pas détournés de cela. Et pour cela, nous pouvons effectuer des dhikr afin de se mettre en condition pour prier. Cette concentration dans les actes d'adoration nous permettra de nous éloigner des péchés, des turpitudes, etc. Multiplier les actes d'adoration renforce notre lien avec Allah Azza wa Jal et nous permet de ce fait de se détacher plus facilement de ce bas monde.
Mes chers frères et sœurs en islam, il faut aussi repérer quel type de maladie possède notre cœur et notre âme, quels sont les remèdes qui permettent d'expier ces maladies et travailler sur les causes qui corrompent notre cœur. Et donc, il faut faire très attention à cela, car le cheminement vers Allah Azzawajal est composé d'étapes dont la première est primordiale, celle du repentir sincère. L'imam El-Razali a dit « Se repentir de ses fautes en revenant vers celui qui cache les défauts et connaît parfaitement l'invisible est le début du parcours pour ceux qui cheminent vers Allah Azzawajal. C'est le capital de ceux qui réussissent, le premier pas des novices, la clé de la droiture, le prélude de l'élection et du salut pour les plus rapprochés. » Le fait de se repentir est donc une obligation pour tout être humain, car nous avons été créés faibles. Nous commettons tous des péchés, des fautes, des transgressions. Et dans un hadith qudsi, Allah Azzawajal dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. » Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que je vais. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes de nuit comme de jour, et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous n'atteindrez jamais une capacité de nuisance au point de me nuire, et vous n'atteindrez jamais une capacité d'utilité au point de m'être utile. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, homme et djinn confondus, avait le cœur de l'homme le plus pieux parmi vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, homme et djinn confondus, avait le cœur de l'homme le plus pervers parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, homme et djinn confondus, se réunissaient dans une même plaine pour me solliciter, et que je donnais à chacun satisfaction, cela ne diminuerait ce qu'il y a auprès de moi que de ce qu'une aiguille plongée dans l'eau diminuerait de l'océan. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je recense pour vous en vue de vous rétribuer pleinement. Quiconque trouve un bien, qu'il loue Allah. Quant à celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que sa personne. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et donc nous voyons ici clairement que Allah Azzawajal nous dit « Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes nuit et jour et je pardonne tous les péchés. Implorez mon pardon, je vous pardonnerai. » Mais le repentir a des conditions, il faut regretter ses actions passées, s'abstenir du péché dans le présent et se résoudre à ne pas y revenir dans l'avenir. Si nous avons commis une injustice envers autrui ou volé un objet, il faut demander pardon également à la personne concernée et restituer l'objet volé au propriétaire. Et enfin pour terminer mes chers frères et sœurs en islam, les périodes d'isolement permettent de se remettre en question et de se détacher plus facilement de ce bas monde. Les périodes de silence, dans le sens de ne parler que lorsque c'est nécessaire, d'éviter la médisance, la calomnie, etc., la faim dans le sens de maîtriser sa quantité de nourriture, mais aussi le fait de se réveiller la nuit pour méditer. Le mois de Ramadan est idéal car il contient tous les facteurs pour aider à lutter contre son cœur. L'isolement à travers la retraite spirituelle, le silence par le fait que la langue et le cœur s'abstiennent de toute parole futile, le fait de veiller la nuit car c'est le meilleur moment pour pouvoir se détacher de ce bas monde, ressentir la faim permet aussi de maîtriser ses passions et de se contrôler, c'est donc le moment propice pour effectuer son bilan, se remettre en question, s'isoler afin de méditer et de se recentrer sur notre lien avec notre créateur Allah Azzawajal. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le cheminement spirituel et la purification de l'âme, je vous invite tous, Inch'Allah, à regarder la série sur la purification de l'âme, le lien se trouve en haut à droite. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite dès maintenant un bon iftar, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.